Allez mon Mimi, ouais. Yes. Yes. C'est bon ça mon gars. Allez, bravo mon chat. Belle, hein. Et voilà. Vacances en famille au bord de l'eau. Là c'est l'oignon, la rivière qui est derrière moi. Une carte magnifique. Une belle miroir. Ouais, super belle, dorée à souhait. Un beau poisson sauvage, pas une piqûre dans la bouche bien sûr. Regardez ça, cette masse. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Elle est super belle. Ah oh, yes. Ça c'est bon. Hein. Elle est magnifique. Extra. Allez, on la relâche à mémé. Ah oh, ça, ça fait plaisir. Ça c'est une bonne poisson. Allez, ce matin, je me suis bien fait plaisir là. Vous avez vu ce poisson là, c'est magique là, en camping au bord de l'eau, en famille. Faire un poisson pareil là, c'est vraiment extra. J'en demandais pas tant. C'est vraiment super cool. Donc là, je vous montre notre campement. On est parti en vélo, en famille au bord de l'eau. Donc on a les vélos qui sont juste ici. On a la tente des enfants, la tente des parents. Milo, il est en train de nous préparer des pâtes à midi là. Et regardez, on a donc la rivière qui est juste derrière, là c'est extra, on peut pêcher, alors il n'y a pas beaucoup de spots comme ça, c'est sûr, hein, on est en camping, et on a la rivière juste derrière, et un super spot, vous avez vu, avec un super poisson ce matin. Allez, je vous montre le spot, et puis après je vous montre un peu le matériel que j'ai pu emmener en vélo. Voilà, là on est au bord de l'oignon, j'ai un beau petit spot en face de moi, on a une belle retourne, il y a des branches, il y a beaucoup d'arbres en bordure, il y a des zones de tenue un petit peu plus loin là-bas. Et puis donc j'amorce toute la bordure à la nage. Et puis j'amorce au spot, un spot assez marqué, juste en face de moi. Là ça fait une retourne assez profonde, il y a quand même pas loin de 3 mètres d'eau je pense. Et avec des branches. Donc voilà, on a pas mal de passages de poissons, il y a des sauts tous les soirs. Et c'est un spot qui est vraiment sympa à pêcher. Donc je le pêche à deux cannes. J'ai pris deux cannes feeder. Là j'ai pris du matériel robuste. Et puis pas forcément le matériel le plus récent que j'ai, hein. C'est pas le moment de se faire piquer au camping des cannes à 500 ou 700 euros. Donc voilà, c'est du matériel robuste auquel j'ai l'habitude et pas trop cher, comme ça si je me le fais piquer, ben je pleure pas trop. Donc là, en termes de matériel, donc j'ai juste les deux cannes. J'ai même pas pris de pique, bien sûr pas de détecteur, hein. On est en vélo, il s'agit pas de surcharger la monture. Donc ce que je fais, c'est que j'ai mes deux cannes, puis quand j'arrive au bord de l'eau, eh ben, je fais mes supports avec des fourches en noisetier. Je rajoute aussi deux petites fourches à l'arrière ici pour bloquer les cannes, parce qu'on n'oublie pas qu'on est en rivière. Là, la carte que j'ai tapée ce matin, c'est quand même des gros départs, donc je sécurise le talon des cannes ici. Et donc voilà, donc, c'est vraiment en termes de matériel le minimum vital, deux cannes et une épuisette. Voilà. Hein, du matériel qui a déjà servi, du matériel robuste, fiable et qu'on peut perdre éventuellement. Faut pas emmener du matériel trop cher dans ce genre de situation. Donc voilà pour le gros matériel. Et maintenant je vais vous parler un petit peu de l'amorçage et des montages. Ok, alors pour l'amorçage je suis parti à peu près avec 5 litres d'appât. Ça fait 5-6 kilos et donc c'est un gros morceau dans les bagages quand on part en vélo. Donc là j'ai fait un mélange de pelets, donc j'ai mis des gros pelets en 16 mm, des pelets en 10 principalement et des bouillettes The Crave de Dynamite Baits coupées en deux. J'en ai gardé quelques-unes entières pour l'échage. Voilà, donc ça c'est un amorçage qui n'est pas trop sélectif parce qu'ici on peut trouver de la brème, de la carpe principalement, du barbeau, du silure. Donc voilà, avec ce type d'amorçage on s'adresse un petit peu à tous ces poissons là sans être trop restrictif. En termes de petit outillage, eh ben, ça tient ici. Il y a juste ce qu'il faut pour refaire les montages. Une bobine de fluoro. Des petits émerillons, des billes, des choses comme ça. J'ai pris deux hameçons différents. Donc là, pareil, la même idée, je prends des choses robustes auxquelles j'ai confiance. Donc particulièrement le 70-22 en taille 4. Ça, c'est l'hameçon que je mets sur les bouillettes en 20 mm. Et puis, donc j'ai pris des 70-19 en taille 10, cette fois-ci avec des petits élastiques.
pour mettre les pelets en 10 mm. Et après, donc juste de quoi refaire les montages, un couteau, des stop bouillettes, une aiguille à bouillette, des ciseaux, quelques plombs supplémentaires. Et puis voilà, juste ce qu'il faut. Le dernier élément, c'est un bait roquette qui va me permettre d'envoyer les appâts sur le coup, parce qu'on peut nager la journée, mais le soir, quand ça caille un peu, c'est aussi bien de rester au bord de l'eau. Donc voilà, j'ai mon bait roquette pour envoyer les appâts sur le coup. Et qui dit bait roquette dit précision au niveau du lancer. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai bricolé pour prendre la distance sur mes lignes et être toujours précis au niveau du lancer. Ok, donc j'ai pas emmené de support pour les cannes, mais j'ai pas non plus emmené mes pics de distance de lancer. Donc j'ai aussi coupé deux baguettes de noisetier en arrivant et ça fait exactement le même effet. Hop, je place mon plomb. Et j'enroule mon fil. Et donc là, je clip à 14 tours. Hein. La rivière n'est pas très large. Moi, je pense que j'ai mis à peu près 2 mètres entre les piquets. Donc, je pêche à un petit peu moins de 30 mètres. Voilà, c'est clippé et c'est reparti. Et donc, voilà le montage que j'utilise. Toujours dans la même idée. Hyper simple, hyper robuste. Donc le 70-22 en taille 4 qui va bien avec une bouillette en 20 mm. Monté donc en dérig avec du fluorocarbone en 40 centièmes. Voilà. Du costaud, du simple et de l'efficace. Allez, j'ai ramorcé un petit coup en fin de journée là, quand le soleil est passé derrière les arbres. J'ai mis tout ce qui restait, hein, les quelques pelets, quelques bouillettes qui restaient sur le coup là, pour essayer de voir s'il y a encore un ou deux poissons qui passent. Donc j'ai déjà fait un chevesne. Et un joli barbeau, là j'adore ce poisson, le barbeau c'est vraiment magnifique. Et puis donc voilà, je me le donne encore une heure ou deux, là jusqu'à ce que la nuit tombe, pour essayer de prendre encore une carpe. Ok, donc vous avez compris, le coup du soir a pas donné grand chose. Après le barbeau, là, j'ai pas pris d'autres poissons, mais bon, c'était une journée sympa avec un gros poisson le matin, une belle carpe de l'oignon, une belle carpe sauvage, c'était super. Là, on est en train de plier. On va reprendre la route pour de nouvelles aventures. Et puis maintenant, bah, vous avez l'habitude. Je vous dis à la prochaine.